Aujourd'hui, je veux vous parler de la distance. Proche, loin, vraiment trop proche. Vraiment trop loin! Quand je parle avec une fille cute, faut que je pense à ça. J'ai le goût d'être proche, mais comme je disais, trop proche à éviter. Au football canadien, les joueurs sont pas trop proches. J'en parle avec Bruno Eppel, un ancien joueur des Alouettes. OK, Bruno, tu peux sortir de ta cachette. Ouais, excuse. Je voulais vraiment garder le punch qui allait être là. Super bonne idée. Je peux-tu m'asseoir? Ouais. Bon, trop proche. Ben là... Bruno, peux-tu nous expliquer la fameuse différence de distance à la ligne de mêlée? Ben écoute. Au football canadien, les joueurs défensifs sont obligés de garder une verge de distance avec la ligne d'attaque. Tandis que dans la NFL, c'est seulement la longueur d'un ballon. Donc, les joueurs sont beaucoup plus proches l'un de l'autre. Ce qui rend ça beaucoup plus difficile dans la NFL d'aller chercher les quelques pouces qui manquent pour gagner le premier essai sur le dernier jeu. Mais c'est normal, parce qu'eux autres, ils en ont quatre essais. Les Américains sont trop proches! Ouais, tout à fait. Merci, Bruno. Rien là. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ah, rien, tout est merveilleux. Quoi?